attestation du rouge. Les ocres, les pigments, les fusains, les papiers et les tissus collés. Au début, la toile est blanche, vierge, nubile, et c'est déjà le monde. Avec ce qu'il faut de lacs et de forêts, de jets de pierre, de fourrures et de petites tragédies. Ce qu'il faut de montagnes et de vents de talus, de jachères, de parkings, de virages, d'assassinats et d'incendies. Au début, la toile, dépourvue de châssis, est pliée, roulée, froissée. Les plis qui annoncent les risques de la chute, de l'accident, du coup de poignard à la tempe. Et les formes de l'accident, de la mise en garde, du chaos du projet anthropique, de la menace d'une mesure avancée. Des meurtrissures de la raison hésitante et pensive. Et le temps qui roule dans sa plaque et qui se gagne petit à petit sur la disparition. Sur la moindre parcelle d'espace, de lignes, de plans, d'interdiction, d'épidémie. Ce qui s'impose dans la mémoire du plan est parfois si fragile. Au début, c'est l'apparence d'un mort, le symptôme, un signal d'alarme. Bientôt, les premiers signes surgissent du néant. L'inévitable, l'attendu, l'espéré, l'affectueuse dispersion. Les lignes, les courbes, les figures, les ciels et les escaliers vers le ciel, le début de l'histoire. Les mots nous parlent aussi de ça. Et tout fait paysage. La toile, le châssis, les pigments, le désir, les textures, l'histoire, l'effet, le sombre, la légèreté, la couleur, la lumière, tous les outils, les objets, un moment où tout peut être changé, où tout est possible. Rendre visible. Tracer une ligne, vous aider et faire surgir le vent. Un événement dans la couleur, la texture, le pli des tissus collés et qui se fait volume, ce qui se crée dans l'espace du tableau, alchimiste, le peintre qui sait déjà cela, son geste gourmand de vent et d'orage transcende le grand os de la terre, la nudité des falaises, les pierres écorchées, les rochers luisants de sel, la maison des éclairs et de la fulguration, la balance des souffles et l'aiguille des jours. Toutes les existences vitrifiées, fusillées comme des dolmens. Le squelette primordial à un jet de pierre. La quintessence des corps forgés dans la fournaise des siècles. Les remplissements, les coulées, les spirales, les cheminées. Les sédiments disent l'agencement de la fracture. Du théâtre dénudé des ocres, des traces salives brillantes et rouges. Une ancienne brillance écaillée dans l'usure, le vieillissement, l'éclat donné un jour, puis repris, reste à s'asseoir dans un temps lacéré, à réinventer dans une lumière rose et vide, et attendre.